Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Second Extinction, avec l'accent, sur Xbox Series X. Donc jeu qui est disponible dans le Xbox Game Pass en, on va dire en Early Access depuis hier. Donc au moment où je vous parle, on est le 29, donc il est disponible depuis le 28 dans le Game Pass. Attendez, je vérifie quelque chose. Donc il est disponible depuis le 28 dans le Game Pass, j'ai pas eu le temps de vous faire ça avant. J'ai juste fait une petite partie de la campagne tout seul, mais tout seul je me suis fait éclater. Donc ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est que c'est ce qu'il y a dans les menus, et on va peut-être aller regarder le mode exploration, et au pire après on essaiera de chercher une partie avec du monde, parce que tout seul, parfois c'est compliqué. Et voilà, il y en a une qui gratte, comme d'habitude. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, un chat qui gratte à la fenêtre au moment où je commence la vidéo. Donc dans la mûrerie, on a un petit peu de tout. On a du minigun qu'on peut améliorer et changer en termes d'apparence. Ouais, faut. Voilà. Donc c'est un peu pareil pour toutes les armes. On peut améliorer et changer d'apparence. On a des héros. Donc vous voyez avec des caractéristiques différentes. Moi j'ai pris elle jusqu'ici. Et ça après. Bon bah c'est ce que vous avez fait sur le jeu avec les persos. Ensuite on a les contrats, pour l'instant j'en ai pas, c'est niveau 5. Et la base de données, bon bah c'est des messages que vous recevez. Donc le jeu était disponible déjà sur Steam. Et maintenant il est disponible sur Xbox One, Xbox Series X et... J'ai pas fait attention s'il était disponible sur PS5 ou pas, mais il n'y a pas de raison. Il me semble pas que ce soit un jeu. Il me semble pas que ce soit un jeu exclusif. Et vous voyez, en fait, quand je me suis retrouvé dans la mission tout seul, je crois que j'ai dû aller par ici, il me semble. Et vous voyez, le camp, il est perdu, et la quantité de dinosaures, elle est élevée. Et je me suis fait éclater. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas aller. On va pas aller à l'expédition. On va essayer de se trouver un groupe en campagne. On va tout sélectionner sauf celle-là parce que celle-là, franchement, visuellement, elle n'est pas. Elle n'est pas très belle. Enfin, c'est beaucoup de. Beaucoup de brouillard et dans le noir, donc on voit pas grand chose. Je vais peut-être couper le temps qu'on recherche du monde, voir si on arrive à trouver du monde, et puis on se reprendra au moment de lancer la partie. Bon, voilà. On devrait y arriver. J'attendais, en fait, je suis revenu, mais j'étais revenu, mais j'ai recoupé parce qu'en fait, il fallait le temps que l'autre lance la partie. Il était sûrement en train de chercher quelle mission on allait faire, comment on allait le faire et tout. Donc, du coup, il est déjà niveau 8 en tout cas. Donc voilà, il a lancé la partie. Ok, donc on va se déployer ici. Et vous voyez, ouais, moi j'étais allé dans la zone rouge, mais tout seul. Je me suis fait éclater. Et donc le jeu, c'est un espèce de Left 4 Dead like. Hein. Hop, donc là, faut qu'on rentre dans le module. Faut vous bouger le boule, les gars. Hein. Ouais, c'est du lag ça. Allez les gars. Donc il y a un truc que j'ai remarqué hier. Déjà, j'ai pas pu trop juger les graphismes parce que j'étais, je vous l'ai dit, dans une mission bourrée de brouillard dans le noir et tout. Donc j'ai pas pu trop juger. Par contre, la fluidité est parfaite. Et ça fait plaisir.
Parce que sur ce type de jeu, il faut que ce soit quelque chose de fluide. Et là, c'est fluide et en plus, c'est assez. Hey, hope the drop was all right. There's an old military black site facility in the area which might have some useful info on the dinos, and it's up to us to gather it. Isn't that super exciting? En plus, il faut que ce soit fluide et assez. Moi, j'aime bien que ce soit assez dynamique, ce genre de jeu. Regardez là-bas. Ah putain, j'arrive pas à monter. Ah oui, ils se sont barrés déjà. Ah merde. Il est là. Donc c'est assez joli quand même, ça va. Mais c'est surtout, ouais, c'est super fluide. Et ça, c'est très important. J'espère que la capture rendra honneur au jeu à ce niveau-là. Alors après, vous voyez qu'avec LB et LBRB, j'ai des caractéristiques propres à mon perso. Et ensuite, bah, vous avez des grenades, des kits de soins. Enfin, ça, c'est. Après, c'est assez classique, hein. Et merde. J'ai glissé. J'ai beaucoup de mal à escalader dans ce foutu jeu, par contre. Donc là, il va falloir qu'on aille rejoindre un point. C'est une foutue base secrète. Et si c'est le même endroit que celle où je suis allé tout seul, à un moment donné, ça va déménager. Ça pète un peu dans tous les sens, hein, après. Je suis un peu nul, mais il va falloir que je règle la sensibilité parce que je trouve qu'elle est un peu élevée. Un peu de mal à viser. Oh putain. Il s'enfonce dans le sol, ce con là. C'est un peu la guérilla. Vous voyez, c'est un petit peu le bordel, hein. Regardez, regardez, ils s'enfoncent dans le sol. C'est des dinosaures, mais c'est des dinosaures high-tech, hein, quand même. Hop, on va se soigner. On va ramasser l'équipement, merci mon pote. Vous voyez, même quand ça pète et tout. Hop, on va essayer de. Vous voyez, bah après, vous pouvez larguer des ravitaillements. Enfin... Des packs de munitions, tout ça, il y a pas mal de choses à. Oh, great, you're in. Try plugging me into a console and I might be able to access the mainframe of this place. Connected. Accessing the system, unlocking the facility. Looks like they were scanning the underground caves, mapping out the movement patterns. From what I can see, there should be a server room not too far. Ouais, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, on est sur un jeu qui est en early access encore. Hein. Donc s'il y a quelques bugs ou des choses qui vont pas, le jeu est pas fini et puis il est susceptible d'évoluer encore aussi en termes de contenu. Hein. Lui s'est déjà barré lui.
Je vois des tirs par là. Tread carefully. We're not safe here. Whoops. Seems you set off a security protocol. Should be easy to deactivate if you plug me into a nearby console. Merde. Allez, bim. Niquez vos mamans. Bon, c'est du jeu de bourrin, hein. Vous le voyez. C'est pas le genre de jeu où faut trop utiliser son cerveau, hein. Oh putain. Vous voyez lui là? Bah, c'est lui qui m'a éclaté la première fois que j'ai joué tout seul. Mais va crever, putain. Ça devient compliqué, ils sont beaucoup là. Putain, il est avec le gros. Oh, ils sont deux. Bon bah en fait ils ont pété assez rapidement, ça va. J'ai l'impression que je suis tombé sur des bourrins comme moi. Ce qui fait qu'on balance des grenades partout, dans tous les sens. Et je crois que là... J'ai pas trop le choix, hein. Faut balancer de la grenade, hein. Y'a que comme ça qu'on va s'en sortir, hein. Bon, bah écoutez. Alors, on va pas refaire la connerie de tout à l'heure. Bon, les grenades sont efficaces, ça c'est bien. Les explosions aussi. Franchement, les explosions sont super bien foutues. Les effets de fumée, de flammes et tout, je trouve qu'ils sont bien faits. Voilà, merci. On a les mêmes idées, c'est bien. Bande de salauds. On se casse de là, je suppose. Là, j'ai pas trop capté, je disais pas trop ce qu'il fallait faire. Bon. Oh putain. C'est bon, laissez-moi tranquille. J'ai plus de grenade en plus, moi, donc. Pour le coup là, j'ai un peu fait le boulet parce que j'avoue que j'ai pas trop capté
Où est-ce qu'il fallait que j'envoie les... Que je prenne les trucs, et pourquoi, et comment. Ils sont nombreux hein, quand même. Hein. Ça pète. Hein. Tu parles d'un bordel. Hey, je me suis fait buter. Bon bah ouais, je suis mort. On y retourne. Bon, des fois, c'est un petit peu con. Tant mieux parce que vu le nombre qu'ils sont. Bon, il faut qu'on se casse. Il faut qu'on se casse. Il y a un point d'extraction là-bas, pardon. Ouais, je sais, je me suis foutu le feu tout seul. Mais comme ça, s'il y en a qui me suivaient, ils sont morts. Everyone should be ready to extract before we send the ship. Healing up. I've redirected the raft to your position. Hey, how about some supplies? Oh les gars, à mon avis, on va se faire attaquer, hein. Ça peut pas se passer aussi facilement jusqu'au bout, hein. Attendez les gars, boum. C'est vraiment stylé les explosions et tout, franchement. C'est bien foutu. Ça pète, hein. Ah bah navette en approche, ce serait bien que t'approches plus vite que ça, là. Dépêche-toi. Putain. On va se faire éclater. Aïe. Allez, on monte là-dedans. Et voilà. Mission terminée, bon. Mission terminée, une vidéo qui va durer moins de 30 minutes. C'est très bien. Comme ça, vous avez pu voir à quoi ressemble le jeu. Maintenant, bon. J'ai pas fait une très très bonne partie, hein.
Mais bon. On va faire comme si j'avais joué suffisamment correctement pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. On va voir. Ouais, ça c'est ce que j'ai ramassé. Ok, on a mis 21 minutes. Continuez. Hop, hop. Ça c'est bien. Ok, retour au salon. Alors on peut maintenant améliorer les armes. Hop, on va quitter le groupe. On va aller voir vite fait ça. Et donc on va dans fusil d'assaut, améliorer. Ah d'accord, on peut mettre le maniement, l'impact, la stabilité. Il y a des atouts visiblement. Ok. Ah, on peut acheter des jetons d'amélioration visiblement avec les matériaux qu'on trouve. Ok. Impact plus 1, d'accord. Ok, bon bah voilà. Écoutez. Ouais, on va faire ça. On va s'arrêter là-dessus. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.